Salut mes enfants, on continue avec la leçon de lecture-diction. Une fontaine à Rabat, la deuxième séance. Donc, je relis le poème. Ô voyageurs, viens, les arcades sont ouvertes, la fraîcheur règne sous l'auvent de tuiles vertes, un peu de jour fait luire aux flancs mouillés du mur, la brique rose et la faïence au ton d'azur, d'où l'eau jaillit en quatre courbes argentines, pour le repos du pèlerin ou du mesquine, viens t'appuyer à cette vasque de granit, qu'un toit protège et que tout voyageur bénit. Tu vas pouvoir laver tes mains et ta face noire, sans déranger les pigeons blancs qui viennent boire. Viens, la douceur de ces murmures cristallins fait oublier toutes les pierres du chemin. J'étudie la forme du poème. Une strophe de deux vers s'appelle une distique. Et donne une strophe مكونة من بيتين شعريين تسمى بديستيك. إذن، de combien de distiques ce poème est-il constitué? Donc, ce poème est constitué de combien de distiques? Donc, la réponse est, ce poème est constitué de six distiques. Bien. Par exemple, ici, on a une distique, deux vers. Donc, chaque strophe contient deux vers. Donc, on appelle la strophe qui est constituée de deux vers, on l'appelle une distique. Donc, une distique, deux distiques, trois, quatre, cinq et six. Donc, le poème est constitué de six distiques. J'entoure les mots qui riment dans la première et la deuxième strophe. Et dans Ada Ostran les strophes, hein, la première strophe et la deuxième strophe. Donc, j'entoure, j'entoure les mots qui riment dans la première. Et dans j'entoure les mots, les kalimat, qui riment dans la première et la deuxième strophe. Donc, la première strophe, ô voyageur, viens, les arcades sont ouvertes. La fraîcheur règne sous l'auvent de tuiles vertes. Donc, ces deux vers riment ici. On a ouverte et verte. Un peu de jour fait luire aux flancs mouillés du mur. La brique rose et la faïence au ton d'azur. Donc, ces deux vers constituent une distique. Donc, la deuxième strophe est composée de deux vers. Donc, c'est une distique. Alors, ces deux vers riment entre eux. Donc, on a mur et azur. Mur, azur. Bien. Récite les vers des autres strophes. Idan, astadhiru, yani, baqi, al-abiyat al-shi'riya, lihadihi al-qasida al-shi'riya. Donc, après avoir récité les autres strophes du poème, je remarque que tous les distiques riment. Hein? Idan, ba'da an sadhartu, yani, kull abiyat al-shi'riya al-qasida, فإنني لاحظت بأن كل يعني كل بيتين لديستيك غيم يعني عندهم تقريبا نفس الحرف أو نفس الحرف الذي ننطقه في آخر كل بيت. إذا مثلا هنا دو لو جايي ان كاتر كورب أرجنتين أرجنتين pour le repos du pèlerin ou du mesquine. Mesquine. Donc, on a Argentine, mesquine. Donc, les deux vers riment
entre eux. La même chose pour « Viens t'appuyer à cette vasque de granit qu'un toit protège et que tout voyageur bénit. » Granit, béni, granit, béni. Non. Tu vas pouvoir laver tes mains et ta face noire. Hein? Tu vas pouvoir laver tes mains et ta face noire sans déranger les pigeons blancs qui viennent boire. Donc, on a noir, boire. Alors, les deux vers riment entre eux. Noir, boire. Viens, la douceur de ces murmures cristallins fait oublier toutes les pierres du chemin. Donc, on a cristallin, chemin. Bien, alors, on a dit que ce poème est constitué de strophes. Chaque strophe contient deux vers. Le poème qui contient des vers, contient des strophes constituées de deux vers, s'appelle une distique. Donc, ici, on a une distique. Un poème qui a des vers qui riment entre eux est un poème à vers réguliers. À vers réguliers, donc on a S ici. Donc, un poème, c'est un qasida, اللي فيها الابيات الشعريه ديالها يعني كي ريم اونتر او بيناتهم يعني هاد يعني يكون عندهم نفس الحرف في اخر كل بيت في البيتين في كل بيتين ات ان بويم افير ريغولير اذا هي قصيده شعريه بابيات اذا دي فير ريغولير دونك اون ابل لو بويم qui a des vers qui riment entre eux, on appelle ce poème un poème à vers réguliers. Exemple, ouverte, verte, mur, azur. Donc, c'est un poème à vers réguliers. Donc, là, après, à la fin de chaque vers, on trouve qu'il y a, la même intonation, نفس الحرف الذي ننطقه, إذن نجده في البيت الأول والبيت الثاني, إذن كل بيتين يشكلان ماذا؟ يشكلان une distique. Donc, ouverte, verte, mur, azur. Je relève les mots qui riment entre eux. Donc, les mots qui riment, hein? إذن, الكلمات هي ouverte, verte, mur, azur, argentine, mesquine, noir, boire, cristallin, chemin. Je relève les signes de ponctuation de ce poème. Donc, dans ce poème, on a deux signes de ponctuation. On a la virgule et le point. Donc, je remarque qu'après le premier vers de chaque distique, il y a une virgule. إذن بعد يعني في نهاية كل بيت من البيتين اللذان يشكلان une distique, نجد يعني في نهاية البيت الأول نجد فاصلة une virgule. Et après le deuxième verbe وفي نهاية البيت الثاني من كل distique, نجد بأن في نهاية توجد نقطة. إذن البيت الأول ينتهي بفاصلة والبيت الثاني ينتهي بنقطة. إذن هذا يدل على أن ce qui veut dire, هذا يدل بأن que chaque distique, بأن كل distique est une phrase complète, يعني هي جملة يعني مفيدة, تكون جملة مفيدة. Je dis bien le poème. إذن يعني أقرأ بطريقة جيدة, أقرأ القصيدة الشعرية بطريقة جيدة. Je découpe en syllabes, إذن أقوم بعملية تقطيع إلى مقاطع. Tu vas pouvoir laver tes mains. Ta face noire sans déranger les
pigeon blanc qui vient boire. D'où l'eau jaillit en quatre courbes argentines pour le repos du pèlerin ou du mesquin. Donc, on a des syllabes. On a des syllabes. Hein? Jaillit en quatre. Et donc, là, on peut dire, par exemple, quatre. Et donc, يعني مستقلة ممكن تقولوا ت بوحدها وغ بوحدها لأن هنا كتشكلنا اون سيلاب تخ تخ كوغ كوغ ب أغ جان تي ن pour le re donc عندنا consonne voyelle po le repos du p إذن واحد المقطع يعني يمكن قراءته لأن فيه يعني كونسون عندنا فويل فويل كونسون فويل كونسون فويل أو دو كونسون فويل مس مس إذن عندنا كونسون كونسون ممكنش نجمعهم بيناتهم إذن نقرأ مس كي اذا هنا عندنا كونسون فويل بعد منها كونسون اذا نقسموهم مسكين جو مارك لي بوز اذا يعني احدد الوقفات او الوقف المكان الذي يجب ان اقف فيه او فواياجور فيان لي زاركاد سونت اوفيرت دونك يجب ان اقف عند دونك جو مارك une pause. Au voyageur, une virgule, et d'arsenoukaf chouïa. Viens, on a deux points, et d'arsenoukaf. Les arcades sont ouvertes, on a point. La fraîcheur règne, une virgule, sous l'auvent de tuiles vertes. Et d'un a, virgule. Donc, je marque les pauses. Au voyageur, viens. Les arcades sont ouvertes, la fraîcheur règne sous l'auvent de tuiles vertes. Un peu de jour fait luire au flanc mouillé du mur la brique rose et la faïence au ton d'azur. Donc j'ai marqué les pauses. Ici aussi il y a une pause. Un peu de jour fait luire au flanc mouillé du mur la brique rose et la faïence au ton d'azur. Je lis en respectant les liaisons et les enchaînements. Et donc, أقرأ باحترام ماذا يعني الوصل عندما أصل كلمة بكلمة أخرى et les enchaînements و يعني التسلسل. التسلسل يعني ما خصنيش نوقف في مكان يعني لا يمكن لا يجب علي أن أقف فيه. Tu vas pouvoir laver tes mains, ta face noire. Hein? Tu vas pouvoir laver tes mains, ta face noire, sans déranger les pigeons blancs qui viennent boire. Et donc, لم أقف يعني بين هذه الكلمات لأنها تشكل وحدة لا يمكننا تجزئها. Et donc sans déranger les pigeons blancs qui viennent boire. Viens, donc, on a une pause. Viens, la douceur de ces murmures cristallins fait oublier toutes les pierres du chemin. Donc, on ne fait pas de liaison. On ne fait pas de liaison. On ne dit pas fait oublier. Fait oublier, non. Fait oublier toutes les pierres du chemin. Je souligne dans le poème les mots qui me paraissent importants pour donner du sens. Et donc, à la fin de la phrase, les mots qui
يظهر لي بأنها مهمة لإعطاء معنى للقصيدة. إذن أعود إلى القصيدة. إذن وضعت سطرا تحت الكلمات التي تبدو لي شخصيا بأنها لها معنى لإعطاء معنى للقصيدة. مثلا les arcades sont ouvertes. Comment sont les arcades? Les arcades sont ouvertes. Sous l'auvent de tuiles vertes. L'auvent, c'est quel vent? L'auvent de tuiles vertes. La brique rose. Hein? La brique rose. Comment est la brique? La brique est rose. Bien. Quatre courbes argentines. Hein? أربع منحنيات فضية. Quatre courbes argentines. Pour le repos du pèlerin. لراحة الحاج أو المسكين. Vasque de granit. حوض من الجرانيت. Qu'un toit protège et que tout voyageur bénit. Lavez tes mains. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette fontaine? On lave les mains et on lave la face noire. Les pigeons, ça veut dire que les animaux aussi viennent boire auprès de cette fontaine. Bien, les pierres du chemin, c'est très intéressant parce que après la fatigue des voyageurs, hein, ils arrivent à cette fontaine pour boire et pour se laver et pour prendre un repos. Donc, est-ce que maintenant tu as envie de prononcer différemment, plus lentement et en articulant plus ce poème? Oui, bien sûr que j'ai envie. Naam, لدي الرغبة في أن يعني أقوم بنطق القصيدة بطريقة مغايرة يعني طريقة يعني أحسن من الطريقة التي كانت قبل قراءة هذه القصيدة. Plus lentement, إذن بتؤدة يعني ب يعني على مهل. Et en articulant plus, يعني بإظهار الحروف بطريقة واضحة. إذن أتمنى أن يكون الدرس في المستوى وإلى درس قادم إن شاء الله. Je vous souhaite bonne chance et à la prochaine.